Bonjour, internotatrices et internotateurs. Le clan du cygne, toujours à Galdenbourg, accueille ses prisonniers et j'espère bien les recruter. Ça devrait pas trop tarder. Ouais, celui-là, c'est pas gagné. Voilà, la caravane vient de revenir. J'ai plus beaucoup de bouffe. Hein. Aliment cru, ouais, c'est un peu la misère. Plat, c'est un peu la misère. D'ailleurs, la nourriture se fera. C'est original comme message. Mais je vais pouvoir faire lâcher à mes ânes ce qu'ils ont rapporté. Qui va me permettre de faire un peu de bouffe. Donc, Onyx. Non, tu vas d'abord faire de la bouffe. Ma caravane est donc rentrée. Lui, je l'ai réautorisé histoire que Ardarin, tu vas me terminer ça en priorité. Voilà, voilà. Tokino et Toshiro, pardon, et Zikino sont toujours en train de rechercher ce qu'ils doivent rechercher. Damnamit est en train de rapporter notre Ardarin. Bah, bravo. Putain, ils vont pas arriver à me le terminer correctement celui-là. Je vous jure. Donc, Damnamit est en train de rapporter Jaune, qui ne voulait pas se laisser faire. Smokeleaf, il est interdit, bordel. Faites chier. Alors, je me demande qu'est-ce que je fais avec cette quête-là? Je vais attendre la fin de la journée, la limite pour la lancer. Ah, conversion. Très bien. Maintenant que vous êtes converti, vous allez hop, le recruter. Même chose ici. On commence par convertir. Pour ensuite recruter. D'Ambroisie, ça faisait longtemps. Je pense que c'est ce que vous m'avez entendu dire le plus souvent durant cette partie. Hop. Hop. Voilà. Et cette zone. Hop, vous ne plantez rien. Mon minage de composants s'avance un peu. 22 composants, c'est de mieux en mieux. J'ai un peu de bouffe crue et quelques places, ça devrait tenir. Par contre, il faut désespérément que je mine davantage pour faire davantage de blocs. Alors j'ai mes blocs d'ardoise, je vais pouvoir faire ici un lit, des chambres d'ardoise. Mobilier, d'abord on pourrait faire de la lumière. Tac tac, je vais avoir besoin également de courant ici. Et puis donc, mobilier, un lit double en ardoise. Tac. Tac. Attends, ça c'est 85, je vais pas en faire deux. Hop. Avec table de nuit en ardoise. Ardarin nécessite de consommer du smokeleaf, c'est une bonne idée. Hop. Et une commode en ardoise également.
Ouh, j'ai terminé mon hôtel. Le grand édifice. Pour ça, j'ai besoin de plein de caillasses. Degrés, ouais. Si je fais tout de même 10 degrés. Avec la vague de froid. C'est clair que j'ai plus grand-chose qui va pousser. J'en suis où de mes récoltes là? 96%. Les récompenses sont pas oufissimes. À la limite, les médicaments. Parce que 33 passes passées, franchement, c'est. Un jours, c'est quand même un peu beaucoup, je vais pas la faire. Tant pis. Alors ça, allez, Onyx et Postlethwaite, formidable. Donc là, il y aurait besoin de plein de matériaux. 18 jours. Là, pour le coup, c'est un peu mieux. Il faudrait vraiment que j'avance aussi sur la cérémonie de reconnaissance. Ah, une nouveauté bois a pris en chasse. Mangazor. Elle est où, Mangazor? Elle est planquée. La louve des bois va mourir sur des pièges. Voilà. Hop. Non, il faut que je priorise la chasse. Voilà. Alors, l'autre solution, c'est que je fasse avec du bois, le fameux bâtiment là. Je pourrais, j'ai combien de bois? 1400. Ça pourrait être une autre solution. Louricupions, les papillotes et vénères. Allez, super. Mais ils sont pas possibles. Tiens, toi, va convertir. Va convertir. Va convertir. Zikino, va, tiens, justement. Oudaf, tu vas sauver Zikino. Et ensuite, tu vas le convertir. Ouais, mais sauf qu'il dort. Super. La géothermie. Bon, je vais cesser d'avoir des problèmes de matériaux, d'énergie, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On pourrait faire des prothèses. Non, on va aller chercher le multi-analyseur. Qui va nous permettre de débloquer le fameux enfin, le multi-analyseur qui permet de booster encore la recherche. Par contre, ça, je vais en faire tout de suite. Centrale géothermique, j'ai pas assez de métal. Et ben, c'est bien dommage. Et là, il va falloir que je réorganise un peu mon bâtiment. Je pourrais l'étendre vers le sud. Ça pourrait être une solution. En faisant une petite inclusion avec la centrale géothermique en plein milieu. Alors le seul truc, c'est que ça dégage plein de chaleur. Donc si je mets ma pièce en plein milieu, il risque de faire un peu chaud. Il faut que je la laisse à ciel ouvert. Ça, genre, c'est une autre solution. C'est-à-dire de faire un enclos autour
C'est de toute façon pas génial. L'idéal, de toute façon, ce serait que j'arrive à me débarrasser de ces pioles pour agrandir tout sur le côté. Bon, on va se dire qu'on va partir plutôt sur cette solution-là. Se décaler sur le côté. Hop. Toi, tu vas me faire une copie. Là, c'est bon, tu veux pas. Copie-moi cette tâche-là. Ensuite, tu me démolis ça. Ensuite, production, lieu d'assemblage. Tac. Et réinstaller là. Et mon climatiseur, du coup, il va falloir que je le refasse ailleurs. C'est du gâchis de matériaux, mais c'est ainsi. Ensuite, on va rester du marbre. Je vais me chercher du marbre. On va essayer de rester dans les mêmes couleurs. Hop, faites-moi ordre. Éliminer ça. Attends, non, plutôt que de miner, j'en ai plein là. Je pourrais tout simplement aller chercher tous ces blocs. Oui, je sais pas pourquoi j'y pense pas. C'est comme drôlement utile d'aller chercher les différents blocs. Hop, vous allez me transporter ça de façon urgente. Et puis calcaire aussi. Hop. Pas trop, mais un peu. Allez, top. Il va me falloir de la place pour stocker ça. Tous ces blocs. Incapable de marcher, formidable. Et là, on a dit que j'avais passé le métal, hein, je crois. Ouais, donc il me faut plus de métal. Broudaf, est-ce que tu pourrais, oui, aller me convertir? Zikino, s'il te plaît. Ouh, c'est un peu mieux. Tu progresses. Allez, ça fume. Bim, boss levette. Mais il m'emmerde! Ardarine, va secourir boss levette. T'as faim, boss levette. Ben oui, forcément, il n'y a plus de bouffe. Onyx. J'ai besoin de bouffe. Vite. Même le droit d'en profiter. Il recommence à faire froid. Il semblerait bien 2 degrés. J'ai bien fait de pas prendre la quête en question. Mon hôtel, il manque de calcaire, je suis sûr. Et oui, il me manque de calcaire, du calcaire. C'est pour ça que ça n'avance pas. J'ai plein de gens, mais je manque de tout. Est-ce que c'est bien logique? Je vous le demande, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Mais arrêtez de fumer, il n'y a rien à fumer, bordel! Oh putain, mais quelle bande de boulets! Pourtant, elle n'a pas de tendance toxomaniaque, mais. Oh là là. Tiens, Ziki. Ouais, Ziki. En PLS, post levette est en PLS, tout va bien. Toute façon, j'ai arrêté d'en faire du smoke leaf en fait. Peut-être bien.
Ah oui. Mais c'est formidable tout ça. Risque de démence majeure. Oui, ça va, j'ai compris. Et je peux pas faire de bouffe parce que j'ai pas d'électricité. Ah, par contre, j'ai du tissu. Nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a du tissu. Bien. Bon, j'ai plein d'aliments crus. Ok, Onyx s'est remise à faire de la bouffe. Louis, qu'est-ce que tu me fais? Taille des blocs de pierre. Wouhou! Putain. Postlevette, insulte, Onyx. Elle les a vus en train de faire des câlins, et du coup, ça l'a guéri. Comme quoi, l'amour, c'est vraiment la solution à tout. Alors, Zikino qui avait lâché son gun. Zikino. D'excellentes statistiques de tir. Qui d'autre avait lâché son arme? Postlevette. Et ah oui, tiens, j'ai pensé que j'avais mon marteau de Zeus là, qui était toujours pas équipé. Mangazor. Ok, post-levette. Alors, dans ce cas, tu vas prendre ça. Et Zikino, tu vas prendre. Je ne sais pas. Ah, fusil à pompe. Attends, 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 attends. Fusil à pompe. Ça, c'est quand même très, très fort. Ardarine, si tu allais me prendre un fusil à pompe. Il y a Papillote qui est en train de fuir. Ou Célestine. Célestine va me prendre ce fusil à pompe automatique. Hop. Équipé fusil à pompe automatique. Alors, qu'est-ce qui... Évasion. Ah merde. Oh, les trois d'un coup. Mais pourquoi est-ce que alors qu'ils sont séparés... Merde zut. Et chier. Tu viens là. Du coup, Zikino. Ça sert à être rangé. Zikino, tu récupéreras la carapace. Tu récupéreras... Bah non, ça, du coup. Voilà. Bon. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le coin? Zikino, t'es à combien? Oui, en repos, t'es un peu lâché. Louris. Louis, au boulot aussi. Ok, donc orange, c'est fait. Ah putain, oh, en même temps c'était le moins intéressant.
Bon, ça me saoule. C'est le problème quand il y a une évasion, parfois. Oh merde! M'emmerde, m'emmerde, m'emmerde. Donc il faut aller sauver Papillote. Radarine s'en occupe. Onyx va secourir. Aigle, il faut aussi aller capturer Brady. Ça, il faudra que... Manquitine. Je vais peut-être le faire, le grand édifice, quand même. Hop, comme ça, le jour où je m'occuperai d'Ardarine. Alors, ça prend quelle place ce truc? Ah oui, c'est vraiment un grand édifice. En deux parties. Ça peut faire deux pièces un peu sympas quand... Quand ce sera fini de construire. Parce qu'en fait, j'ai réalisé sur mon autre partie qu'on peut réutiliser en fait les monuments quand ils sont. Donc il y a une période durant laquelle, vous voyez, il est indiqué hein, pendant. On a 10 jours pour la construire. Ensuite, pendant 15 jours, il faut pas qu'elle soit endommagée. Mais après ce délai-là. Eh ben, la zone peut être réutilisée. Par exemple, elle pourra être utilisée pour Ardarine. Lui faire, parce que donc, ceux qui ont des titres de noblesse doivent avoir de belles chambres, de belles pièces. Y a les titres, en fait, qui sont associés à ça. Cérémonie de promotion. Donc là, pour l'instant, c'est chevaleresse. Vous voyez, il y a des exigences pour la chambre. Donc, ouais, il faut qu'elle soit suffisamment grande, 24 tuiles, qu'elle ait une impression assez grande, un lit double, tête de mini-commode, là ça va encore. Il faut une salle du trône, donc avec un trône, une certaine surface, des braseros, des colonnes, une harpe. Et puis plus on monte dans les grades, voilà, donc après chevalier, il y a prêteur, ensuite il y a baron, ensuite il y a comte, les autres ne sont pas accessibles pour des personnages de notre colonie. Comte, par contre, on peut éventuellement être amené à héberger un duc, hein, etc. Un comte doit avoir une chambre qui fait au minimum 30 tuiles, avec une impression de 80, le sol recouvert, un lit royal, une table de nuit, une commode, des rideaux. Bien entendu, aucun équipement de travail. Salle du trône, il faut qu'elle soit immense, hein, 80 tuiles, avec une très grande impression, plein de colonnes, braseros, rideaux, piano, des torches, voilà. Et il y a des aliments qui sont spécifiques. Et puis, bien entendu, hein, c'est un noble. Donc, des trucs comme les travaux ménagers ou manuels, c'est pas pour eux. Ou agricoles, hein, c'est la recherche. Ou que des trucs comme ça. Donc, c'est un peu con d'ailleurs, parce que c'est quand même. Ardarine, c'est un très bon fermier et constructeur. Donc, ouais. Ah, typiquement, bah, comme je maîtrisais pas du tout Royalty au départ, je pouvais pas y avoir. Alors, donc, ouais, 80 tuiles, c'est grand. 30 tuiles, ça va encore. Mais 80 tuiles, c'est vraiment grand. 30 tuiles, là, ça les fait. Donc, à la limite, ce que je me dis, c'est que je vais me construire ça là. À droite, ça pourra faire plus tard la chambre de Monsieur Ardarine. Et à gauche, ça pourra faire plus tard sa salle du trône. Ça me semble être pas mal comme principe. Hop. On va se caler par là. Voilà. Bien. Bien, bien, bien.
Donc tout le monde est en train d'être soigné. Incapacité. Est-ce que par hasard j'aurais pas fait trop trop mal? Non, ça va. Ça va. Et c'est bon. Et c'est bon. Ah. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ok. Alors ensuite, donc on peut choisir de faire dans tel ou tel matériau les différentes parties. Donc j'ai plein de bois. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je vais choisir? Certainement pas du grès puisque j'en ai pas du tout. J'en ai besoin de combien du... Ben ça, c'est pas super bien fait. Alors en pierre, donc ça doit être à mon avis. Ouais, non. En fait, on sait pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Les stèles, de toute façon, ça fait 250. Donc 250, ça veut dire que comme j'en ai deux, c'est ça. Métallique en bois en pierre, ça va être les murs 520 et 564, ça va être les murs et la table et les portes et pavement en grès, c'est ça. Donc il me faut 500 et quelques. J'ai plein d'autres trucs à construire. Il faut que j'aille. Non, il faut que j'aille récupérer ces putains de blocs. Tiens, ça va être à récupérer. Je sais pas ce qu'il a tué, mais qu'est-ce qu'il a tué ça? Un piège à pointe. Ah ouais, d'accord. Fallait pas s'aventurer par chez moi. Très bien. On va faire de la bouffe. Nix. Essaye de recruter et après tu vas cuisiner. Donc, tiens, là j'ai du métal aussi. Mais là, il faut que je ferme par ici. Je vais faire une porte. Ça pourra servir. Mobilier. Une porte en calcaire ici. Non, c'est pas mobilier, c'est structure. J'ai du mal, moi, ce matin. Deux portes en calcaire. Tac. Et je vais aller lancer du minage. J'ai besoin de métal, j'ai besoin de calcaire. Et j'ai besoin d'aller chercher. Ça fait peut-être beaucoup. Tac, transportez-moi ça. L'eau, il fait dodo. Et arrêtez de consommer des aliments crus, c'est pas bon pour votre morale. Aigle, victime de la cotille. Bah oui. Oh putain. Vikino, arrête de bouffer des trucs comme ça. Voilà, maintenant il y a des vrais plats. Il faut que je mette quelqu'un d'autre. Ah, en cuisine permanente. Onyx, il faut que je mette en 1 là. Et Mangazor aussi. Ouais, parce que Mangazor, en fait, elle me fait principalement du transport. Tu me feras du transport quand Onyx sera pas à la cuisine. Un site agricole. Formidable. Donc je sais que mon manque de plan. J'aimerais juste qu'il me termine. Voilà, c'est bon. Il y a les 300 ici. Parfait. Mangador essaie de convertir Postlevet. L'arbre anima est mort. Carrément. Waouh. Merde. Je sais pas ce que c'est que le hurlement psychique, mais ça me plaît pas. Bon bah j'ai plus de lieu de. Ouais, il devait y avoir trop de bâtiments autour. Allez, c'est le générateur qui.
Et causer sa perte, je crains. Bon, bah, c'est dommage. Énergie. Si je fais pas de câble électrique, qu'est-ce qui se passe? Hop. Toshiro, tu vas me faire en priorité. Tac. Voilà. Parce que sans électricité, de toute façon, tu ne rechercheras pas grand-chose. Ah bah c'était bien de faire deux trajets pour ça, tiens. Oh là. Couillon. Bien. Notre première centrale géothermique. Et hop. Lui, on est en conversion. Tapiote, tu peux de nouveau te lever, tu vas aller récupérer ton... Ah non, j'ai toujours pas attribué ce fameux marteau de Zeus. Alors, 10-45, ma meilleure en mêlée, mon meilleur en mêlée. C'est Damnamite. Damnamite, tu viens de gagner, avant d'aller te coucher, un marteau de Zeus. Et ça va pas déconner quand même. Et du coup, Papillote, tu vas venir t'équiper de cette lance en métal. Qui sera quand même meilleure que ton Iqua tout pourri. Pouce d'Ambroisie. Comme qui dirait, ça faisait longtemps. Hop. Et après, mes gens, ils sont complètement toxico à l'ambroisie. Je vous jure, non, c'est pas de l'ambroisie, c'est à côté. Ouais, l'eau, il me fait des blocs, c'est parfait. Là, il faut que je fasse pour me passer de mes éoliennes qui sont quand même un peu légères. Ça, c'est autorisé. Donc, il va falloir que je raccourcisse légèrement mon mur. Du coup, il va falloir... Oh putain, c'est pourri. Je vais juste faire ça. Je vais faire un truc un peu chelou ici. Manga... Non, mais... J'ai marre d'avoir moral tout pourri. Grossiste. Ah, un vaisseau commercial. Passe à proximité. C'est qui? C'est Zikino ou Toshiro qui est très bon associé. C'est Zikino. Non, c'est Toshiro. Toshiro. Hop. Va aller causer au grossiste. Certainement des trucs à vendre et des trucs à acheter. Alors. Tissu synthé, tout ça, j'en ai pas beaucoup. Je pourrais m'en servir, mais j'y pense jamais. Mes vêtements normal, tout ce qui est normal, on revend. Ensuite, tout ce qui est médiocre, on revend. C'est con, pas en casque renforcé en métal. Et tout ce qui est horrible, on revend. J'en ai pas. Ensuite, tout ce qui est en tissu, on revend. Même si c'est de qualité excellente. Ok. Et ensuite, on regarde ce qu'il nous reste. Chapeau de cow-boy. Ok. Parka en laine de mouton, excellent. Manteau, ok. Bon, tout ça on garde, pas de soucis.
Phénoxycine. Donc normalement, ça permet de bloquer la malaria. À prendre tous les 5 jours. Voilà, en fait, il faudrait que tous mes gars en prennent une fois tous les 5 jours. Franchement, vu mon biome, la malaria, j'en ai eu une fois et c'est tout. C'est utile quand on est sur la jungle. C'est utile. Par contre, quand on n'est pas sur la jungle, franchement, c'est quand même pas indispensable. Donc, allez, la Pénox, pouf, et même chose, même autre. Je m'en sers jamais, en fait. Faisons des sioux. Ah, je pourrais avoir un dromadaire. J'ai un mâle, il me faudrait une femelle. Eh ben, ce sera mieux que mes ânes, quand même. Faire du transport, parce que ça te donne davantage de choses. Du coup, c'est lui qui me donne mes sous. Alors, je pourrais prendre du synthétique, des médocs, j'en suis à combien? Ah, il rachète pas les miens. Ah non, c'est qu'ils sont pas dans la zone. Donc là, en fait, il ne prend que ce qui est dans la zone correspondant, je vous montrerai après, à ce qui est autour de mon antenne, je sais plus comment ça s'appelle, l'antenne relais. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Qu'est-ce qui va m'intéresser dans ce que tu me proposes? Des composants. Les composants, j'en ai 14. Pff, ça me sera toujours utile. Composants avancés. J'en aurais besoin aussi, j'en ai que 4. Je vais pas faire de sous sur ce passage-là. Je pourrais ceci dit me débarrasser de tous ces trucs-là que j'ai en petite quantité qui me servent à rien. Je vais garder le cuir de dromadaire, fourrure bleue aussi. Mais tous ces petits trucs, ça me prend de la place. Et franchement, j'en ai pas besoin. Graines de goraleine, je vais les revendre. Je suis un technologiste, je suis pas un naturiste. Synthé hyper fibre tissu. Ah, je garde. Ah, c'est marrant, les ânes se revendent plus cher que les dromadaires. Ça, c'est marrant. Pourtant, le dromadaire donne du lait que l'âne ne donne pas. Enfin, l'ânesse donne du lait ne donne pas de lait alors que la dromadaire donne du lait. Qu'est-ce que je vais prendre du synthétique? Ce sera mieux que le tissu classique. Mais ça va me coûter cher. Bon, je vais rester là, je vais garder, je vais quand même prendre un peu plus de sous. Bien. Donc le tel archaïque est en cours. Plus de démence majeure, on connaît bien. Dès qu'il aura fini de faire tout cela, avec tout mon coton, ça n'a combien? Ouais, si c'est bon, je vais avoir un arrivage de coton assez vite. Ardarine va me péter. Non, ça va être. Et la catastrophe. Moi. Qu'est-ce que tu me fais? Des blocs de pierre, j'en ai besoin. Hop. Rodaf, vacances. Ok. La nourriture se fait rare, mais ça va encore à peu près. Tant que j'en ai pas un autre qui me fait une crise de boulimie. Bon, là c'est bon, j'ai enfin de nouveau de l'approvisionnement en marbre. Et ça c'est quand même une bonne chose.
Tiens. Mais je suis con. Célestine. Ah mais d'accord, j'ai deux putes. Ils sont cons. Célestine, c'est pas toi qui es jalouse? Si. Alors, jalouse. 43, 46, 42, 43. Le meilleur, c'est celle-ci pour l'instant. Mais Poslovette, t'es pas l'autre jalouse? Attends, j'ai deux jaloux, je crois. Si. Fuck. 40. Attends, je vais vérifier que j'en ai pas d'autres. Jalouse, 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 jalouse. Donc Célestine. Et Postlewaite, c'est ça, c'est mes deux jalouses. 45. Bon bah Célestine, tu vas venir là. Tac, réaffecté. Ça, je sais pas combien ça apporte en décoration. Travail d'installation. Ça doit dépendre de façon de la qualité. Tu vas en faire une plus, je sais pas si ça va améliorer le schmilblick. Là, je pourrais mettre également Mangazor, par exemple, qui est comme vraiment un moral tout pourri. Hop. Trois risques de démence majeure. Tout va bien. Allez, une petite rage sadique. Sur Papillote. Papillote, c'est un peu le souffre-douleur. Hein. Ah mais merde, c'était elle qui fait. Putain, j'avais pas fini la conversation. Me saoule. Plan de coton est mort dans l'empoisonnement. Ah, est-ce que c'est la mort de l'arbre animal hein? Au feu, les pompiers. Là, la maison qui brûle. Je sais pas, est-ce que l'arbre animal qui est mort dans l'emprisonnement, ça... Papillette n'est plus incapable de marcher, formidable. Anestro est en gestation. Ah oui, du coup j'ai mes deux dromadaires. Hop, on va éteindre le feu les gens. Merci les gens. Allez, c'est presque fini. Non, la pièce qui ça en fait de la lumière à bras zéro, la vache. Installer ma zone de mariage ici. Mais alors c'est marrant, c'est une colonie où les gens ils font quand même assez peu de relations. Habituellement, il y a... Et ça joue vachement sur le mauvais moral de mes troupes. Quand même, quand y a des couples qui se forment, là j'ai qu'un seul couple. Et c'est quand même vraiment pourrave. Crise de colère, putain, mais c'est pas possible. Ah non, 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 non. Ah non! Putain, c'est pas possible. Tu vas pas me défoncer mon générateur géothermique. Bordel de merde.
dis non. Je suis pas d'accord. Même si j'ai moyennement mon mot à dire. Toshiro. Ah si, Toshiro. Top. Voilà. Calme-toi. Ah, c'est carrément il faut en prison quoi. Oh la vache. Et ça j'avais jamais fait encore. Je suis obligé de la re-recruter. Bon. Et ben c'est formidable. Messieurs dames, je vais arrêter cet épisode ici. Bien duré je trouve. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt.